Le musicien, auteur-compositeur et producteur Laurent Boutonnat est en deuil. L'ex-compagnon de Mylène Farmer a perdu sa mère, Marielle Boutonnat, décédée le 18 novembre dernier. La cérémonie religieuse s'est déroulée ce lundi 29 novembre 2021 à 10h30 en l'église Saint-Pierre de Chaillot dans le 16e arrondissement de Paris, comme l'a rapporté le journal Le Figaro. Marielle Boutonnat a fait partie du ministère des Affaires sociales, aujourd'hui ministère des Solidarités et de la Santé, en tant que conseillère au programme d'éducation à la vie. Elle a présidé l'association Europe Passion et a été secrétaire générale du Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale. Laurent Boutonnat, auteur-compositeur, a réalisé les films Giorgino et Jacou le Croquant, sortis en 1994 et 2007. Il a partagé la vie de Mylène Farmer, a produit de nombreux clips et composé et écrit certains de ses tubes comme Libertine. Laurent Boutonnat a également travaillé sur plusieurs albums de Mylène Farmer, Avant que l'ombre, Point de suture, Inamoramento, Anamorphosé. Il a aussi collaboré avec Alizé, en produisant les clips de Moi. Lolita, J'ai pas 20 ans et parler tout bas. En 2018, Mylène Farmer expliquait dans quelles circonstances elle a fait la connaissance de Laurent Boutonnat. À Anne-Claire Coudray, elle a confié, « J'ai rencontré Laurent Boutonnat quand je suis sortie du cours Florent. On avait un amour commun pour le cinéma aussi. Si est-ce pourquoi on a fait aussi ces clips qui sont très longs, avec cet amour du cinéma, de l'image. » Marielle Boutonnat laisse derrière elle son mari Pierre-Louis Boutonnat, qui a dirigé la Croix-Rouge et a reçu la Légion d'honneur et l'Ordre National du Mérite, ainsi que leurs 5 enfants Laure, Caroline, Bénédicte, Stéphanie et Dominique Boutonnat, producteur et président du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Marielle Boutonnat était l'heureuse grand-mère de 12 petits-enfants. Nos sincères condoléances à la famille.